Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélisère. Il y a un plaisir pour nous avoir dans le premier sorti rendez-vous info pour ce maintenant. Moi c'est Jacqueline Bélisère, quelques un grand point cap dominé actualité. Actualité électorale aux États-Unis, Parti démocrate là, à Kamala Harris et Tim Walz, et Parti républicain à Donald Trump et J.D. Vance, mené campagne sous plusieurs thèmes parmi eux. Avotement. International Iran continue à menacer pour le venger l'envoi dans Téhéran chef politique Hamas là, Ismaël Haniyeh. Dans le pays d'Haïti, police nationale a recevoir 20 machines blindées pour combattre gang Améo qui continue à semer la terreur dans le pays. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Aujourd'hui, c'est lundi 26 août 2024, donc son mois qui pratiquement mois d'août là a fini. Et puis actualité a mené nous dans guerre la Russie qui a fait contre Ukraine, et ben au moins il y a 4 monde qui mouri, on dizaine l'autre blessé après que la Russie et ben l'état lapidé Ukraine en bas missile et drone sorti dimanche pour l'ouvrir jeudi lundi. Sandra Lemaire gain détail. La Russie attaqué Ukraine à un paquet de missiles et drones que autorité a dit tué 4 moun, blessé plus passé une douzaine moun et puis endommagé installation électricité. Président Vladimir Zelensky décrit dernier attaque comme dégoûtant. Monsieur dit, pas de gain aucune restriction sur porter des armes pour Ukraine. Dans le moment terroriste, pas de aucune restriction eux-mêmes. Un cap défendre la vie, pas de faire face à restriction des armes. Pendant la Russie, servir à toute qualité des armes, ensemble avec drones, Shahed et puis missiles balistiques qui sortent de Corée du Nord. États-Unis, Royaume-Uni, la France et l'autre partenaire, ils ont un pouvoir pour aider nous à suspendre la terreur. Nous besoin de décision. Attaque à plus passé 100 missiles et même quantité de drones, t'es en main vers minuit et puis durée jour soleil là, t'es levé lundi, dans ça qui semblait plus gros attaque russe lancée depuis quelques semaines. Aviation ukrainienne a dit au digdal drone russe t'es tiré sur région Est, Nord, Sud et Centrale Ukraine et puis après ça, missiles croisières et balistiques t'es suivent. Agence Nouvelle Reuters fait connaître journaliste Ryan Evans, qui est membre de l'équipe qui a couvert la guerre Ukraine, mourit et puis deux autres journalistes blessés dans une frappe russe qui fait dimanche contre un hôtel dans la ville Kramatorsk dans SPIA. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nous connaissons deux gros guerres qui gagnent au niveau mondial, la Russie avec Ukraine et puis gagnent Israël avec Hamas. Nous parlons dans la région Moyen-Orient, côté résident palestinien dans la ville Hamas, dans Gaza, qui était sauvé à cause d'opération militaire israélienne. Ils ont commencé à retourner la caillou pendant que négociateur pour accord campé tiré dans Gaza pour discuter sur une nouvelle proposition compromis pour faire une entente entre peuple israélien et Hamas. Eh bien, nous parlons Valérie Saint-Louis pour plus de détails. Résident palestinien dans la ville Hamad, dans le quartier Khan Yunis, dans Gaza, qui était sauvé, court échappé pour lui à cause d'une opération militaire israélienne, a commencé à retourner depuis samedi passé, après que force israélienne a fini faire retrait dans la zone. Équipe secours a été ramassé cadavre en bas des combios et puis résident a été retourné, il a constaté dommage et destruction qui fait dans la ville ça que Qatar a financé. Randa Samour, qui est un résident dans la ville Hamad, a dit que le tétourné joint Kaili moitié détruit et puis il dit qu'il n'y a pas aucune sécurité encore. Moi, j'ai couru quitter la ville 10 fois et puis moi, j'ai tourné depuis le commencement de la guerre. Juif, j'ai arrêté ma rime, ça fait 6 mois et puis moi, j'ai pas aucune information sur lui. Merci, bon Dieu. En tout cas, m'a fait louange, bon Dieu. Moi, j'ai vu une caille. Moi, j'ai une caille sans escalier. Moi, j'ai une moitié caille qui allait. Mes amis, vous ne comptez pas sur qui ça pour crier. Si c'est sous caille, sous tête ou soit sous déplacement. Nous juste voulons que la guerre suspende. Message nous, c'est tout simplement suspende la guerre. Trop crime, trop destruction. Il y a l'autre résident palestinien dans la ville Hamad qui c'est Jana Abou, t'es parlé pour le dire. Moi-même, moi, t'es venu découvrir Kainouan qui t'est frappé. Kainou t'est bombardé. Papa m'a disparu pendant 5 jours dans la ville Hamad. Et je dis à nous te recevoir nouvelles sous la molle. Il y a l'autre résident palestinien dans la ville Hamad qui c'est Zoukair Al-Hindi, t'es parlé pour le dire lui-même tout.
مدينة حمد فيش كان أحلى منها في العالم كله. بادي أنيان dans le monde entier qui pi belle passé ville Hamad. Yon belle ville. Regarde ça qui rive li. Gardez destruction yo. Filmez destruction non. Filmez ça qui rive li. Ville la fini d'y aller. Nous par contre qui côté pour nous rester, qui côté pour nous aller mes amis. Samedi qui s'est passé là, négociateur pour accord campé tiré avec libération otage dans Gaza, t'es discuté sur une nouvelle proposition compromis dans ville Caire dans pays Égypte. Il a cherché faire un pont entre peuple israélien à Hamas pendant que Nations Unies t'a rapporté que conditions humanitaires vin pi grave. Et puis malnutrition a monté avec cas maladie polio que découvrir dans zone. Résident ville l'a fait connaître que depuis jeudi 22 d'août, tant qu'Israélien ont avancé dans l'ouest, dans zone Al-Karara, dans Hamad, dans quartier Khan Younis, ça qui t'a poussé famille au sotina abrio ak en battantio, parfois en bas gros coup de zam que tank ak drone yo t'a tiré. N'a rappelé que attaque 7 octobre là t'a touyé 1200 moun sous bord par Israélien. Autorité la santé palestinienne fait connaître attaque peuple Israël là lui-même t'a touyé plus passé 40 000 moun. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Sous même de ces ça, les États-Unis dit que Israël toujours en bas menace Iran. Iran lui-même qui dit que l'Israël est pour venger la mort et chef politique Hamas en parlant de Ismaël Haniyeh qui était tombé en bas balle dans Téhéran. Après Hezbollah libanais ou même yote ciblé et Israël à Kouaket et à Drone pendant week-end comme responsable pour assassinat et pour assassinat Israël sur un gros commandant dans Hezbollah. Vous souvenez ou à Creole, ou à suivre le programme dans la Creole haïtien. Résident palestinien dans ville Hamad, dans le quartier Khan Younis, dans Gaza, qui t'est sauvé, court échappé pour lui à cause d'une opération militaire israélienne, t'est commencé à retourner depuis samedi passé, après que force israélienne fin fait retrait dans la zone. Équipe secouru t'est ramassé cadavre en bas des combios, et puis résident t'est retourné, y t'est constaté dommage à destruction qui fait dans ville ça, que Qatar a financé. Randa Samour, qui c'est un résident dans ville Hamad, t'est dit que t'est tourné joint Kaili moitié détruit, et puis il dit qu'il n'y a pas gain aucune sécurité encore. Moi t'ai couru quitter ville là 10 fois et puis moi t'ai tourné depuis commencement la guerre. Juif yo t'ai arrêté ma rime ça fait 6 mois et puis moi pas gain aucune information sous lui. Merci bon Dieu. En tout cas, m'a fait louange bon Dieu. Moi ka vinn wèk kay moyen. Moi jwenn kay moyen sans escalier. Moi jwenn moitié kay là qui allait. Mes amis, ou pas contre sous qui ça pour crier. Si c'est sous caillou, sous tête ou au soir sous déplacement yo. Nous juste voulons que la guerre suspende. Message nous c'est tout simplement suspende la guerre. Trop crime, trop destruction. Il y a l'autre résident palestinien dans ville Hamad qui c'est Jana Abou, t'es parlé pour le dire. Moi-même moi t'ai vienne découvrir caillou qui t'ai frappé, caillou t'ai bombardé. Papa me t'ai disparaître pendant ça. Sorti dans la région Moyen-Orient, n'a pas entré dans l'actualité et pas boy site aux États-Unis pour nous parler de élection candidat pour force, pour poste vice-président parti républicain. J.D. Vance a déclaré dimanche 25 août là que les papes imposaient une interdiction fédérale sous question avortement aux États-Unis si lui-même avec Donald Trump remporte course pour la Maison Blanche. Pendant ce temps, ticket présidentiel démocrate là, Kamala Harris et Tim Walz, eh ben ils ont même continué encourager message sous droit reproduction Kaime Damio pendant les annoncer un chiffre record dans don campagne là recevoir Jean-Robert Philippe. Candidat désigné pour poste vice-président parti républicain, J.D. Vance, qui a participé dans l'émission Mythe de presse sur chaîne télévision NBC, t'a répondu à une question si oui ou non, il prend engagement pour ne pas imposer une interdiction nationale sous avortement s'il remporte l'élection en novembre. Absolutely commit that. Dit répond, absolument, moi capable de prendre engagement ça. Réponse ça arrivée deux jours après ancien président Donald Trump t'a écrit sous plateforme réseau social IA, True Social, pour dire administration moyen a bon pour mesdames yo a droit pour y reproduire. Mais quelques républicains dans le Congrès ont encouragé pour avortement interdit dans tout le pays. Vance était en bas pression pour répondre à la question ça dans le programme NBC. Si oui ou non, Trump est capable de poser veto sur un mode de législation comme ça. S'il retournait dans la Maison Blanche, candidat pour poste vice-président a répondu. I think he would. He said that explicitly that he would.
moi quoi li capable li déclarer ça explicitement li capable. Campagne présidentielle Harris Walsa avait dit pour dire droit reproduction capable d'effacer son administration Trump. Candidat désigné pour poste vice-président Parti démocrate Tim Walz a adressé ces questions pendant dernière convention nationale Parti démocrate là. And they will ban abortion across this country with or without Congress. Yo pral interdit avortement fait dans tout pays avec ou sans Congrès. En général, analyse de chantier louange pour succès convention nationale Parti démocrate là. Démocrate yo espéré la traduit comme un obstacle dans sondage yo. Campagne là annoncé dimanche 25 août là, li collecté 540 millions de dollars depuis jour yo té lancé campagne là. Sénateur indépendant Bernie Sanders exprimé optimiste à précaution course pour Maison Blanche vice-président Kamala Harris là clair. Sénateur Sanders, qui a participé dans le programme chaîne télévision ABC This Week, parle pour dire. I think it's going to be a rough campaign. I think the vice president. Moi, quoi, c'est pour aller une campagne difficile. Moi, quoi, vice-président gagne bonne chance pour lui remporter la victoire. Certainement, il pourra remporter plusieurs millions de votes populaires. Moi, quoi, lui gagne grosse chance pour remporter l'élection dans un pile état qui est capable de décider résultat élection dans un camp ou bien dans un autre. Sénateur républicain Tom Cotton, qui a participé dans le même programme ABC This Week, là, pas d'accord. L'a déclaré. Donald Trump est président en vain. Les Américains connaissent ça, t'es fait. Ils connaissent li au courant, mode douleur, ils souffrent pendant 4 dernières années sous l'administration Harris et Joe Biden. Non. Moi, quoi, le peuple a paré pour retourner Donald Trump dans la Maison Blanche. Campagne Parti républicain avec Parti démocrate là, planifié plusieurs rencontres populaires pour ce maintenant. Vice-président Harris avec Colisiel a participé dans une tournée dans autobus dans l'État Georgie mercredi. Trump, beaucoup de parle, capable d'organiser une rencontre populaire dans l'État Wisconsin jeudi, avec une autre rencontre dans l'État Pennsylvanie vendredi. Veronica Balderas, Iglesias, te prépare pour ça, pour ça, la nouvelle voix de l'Amérique là. Et moi-même, Jean-Robert Philippe, te traduit et adapté pour VOA Creole depuis l'État Maryland. Donc 2024 là c'est année électorale ici aux États-Unis, donc nous déjà dans fièvre électorale là côté coin deux partis, deux principales partis pays là, ils ont même y a mené campagne surtout après dernière convention qui s'est faite là, ils s'est faite dans ville Chicago dans état Illinois côté que tu as participants qui sorti tout partout qui te viennent et prend part à convention ça et parmi pays gain Haïti. C'est comme ça Clarence Renoir qui c'est leader unir lui-même qui essaie joignon qui essaie de jouer un événement ça, il y a une source d'inspiration par rapport à pays d'Haïti, Clarence Renoir. Inspiration, c'est que pour démocratie à fond, tant qu'il faut aux États-Unis, parce qu'il y a des événements qui passent, que tu as chaviré, expérience démocratique américaine, non tout. Pas besoin d'aller loin. Et faux parti politique, fort. Force parti politique, là, il réside tout dans la capacité pour mobiliser les gens. Pour gagner des adhérents, pour gagner des membres, pour gagner des gens qui financent, mais aussi pour gagner des volontaires. Souvent, c'est trois éléments ça pour moi-même, moi qui fait force démocratie. Alors, deux éléments ça principalement qui fait force démocratie. C'est capacité pour gagner des gens qui viennent dans le parti, qui m'emblient. Alors, d'abord, il y a des capacités que le parti a gagné lui-même pour rassembler des gens qui sont dans 50 États, plus 96 pays étrangers, pour venir garder tout le bagage. C'est une puissance économique fort qui mettait là. Et deuxièmement, et ou gen des volontaires. Donc des monde qui croient dans l'idée de démocratie, qui croient dans l'idée d'un parti politique à véhiculer qui vient porter coup de main là-dedans. Donc faut croire là-dedans. Donc faut qu'à mobiliser monde, faut qu'on essayer vendre l'idée pour monde venir faire ça. Et en plus de cela, c'est que ou gagner parti à ramasser, on est capable de dire et revendication monde yo, attente yo, espérance pour transformer la politique publique qui va retourner vers mon nom encore pour dire mais soit demandé mais ça va nous retourner pour tes barreaux mais changement que pour tes barreaux dans soit demandé dans la mesure du possible, il faut dire comme ça. Donc pour moi même c'est extrêmement intéressant pour aller venir ça. Démocratie a pas un bagage qui est en l'air mais qui y atterrit vraiment l'on vient dans l'ogade des réalités au cas touché au cas touché. Et deuxièmement, donc pour moi même son leçon extraordinaire pour me dire mais qui gens nous capables de faire la démocratie nous fonctionner
pour venir renforcer sans qu'on pas renforcer parti politique yo. Et c'est ça qui gros faiblesse démocratie dans le pays d'Haïti, c'est que parti politique yo faible, yo impuissant, yo pas capable faire rassemblement type de rassemblement ça yo. On va pas parler dans dimension ça moi là, son bagage gigantesque. Mais faut qu'on rassemble les gens, faut qu'on parle avec les gens, faut qu'on capable vendre les gens l'idée, faut qu'on faire que les gens ça contribuer à faire fausse partie à tout quelque part. Donc nous pas arriver dans ce stade ça. Donc nous avons encore on capable dire dans béaba démocratie on pas capable arriver vraiment dans gros lettre et dans démocratie qui fait que l'Oueli ou une certaine frustration quelque part ou dit ou pas croire qu'il va arriver dans dimension ça, mais en même temps tout ouvrir l'espoir pour apprendre dans la mesure du possible ça ou là. Et d'accord dit Jacqueline sans considération idéologique de il y a parti républicain tous ces mêmes bagages là ou d'après en termes de machine de tout bagage, mais nous venons dans parti démocrate là c'est un dia qui invite nous, donc nous nous apprendre et nous penser nous capable peut-être à le faire des expériences en Haïti qui pour permettre démocratie après prend Jeffrey prend j'arrête. Professeur Clarence Sonnois, qui c'est leader uni, t'es parlé avec nous en marge convention nationale parti démocrate là qui t'a déroulé dans Chicago dans l'État Illinois. N'a pas pour nous et partager avant toute interview ça que nous t'ai gavel côté que non seulement nous t'ai ouais question qui gain rapport avec convention, mais t'ai ouais tout actualité actualité politique là dans pays d'Haïti. L'autre point dans actualité a toujours sauvé au cœur l'obsession programme dans langue créole haïtien mexicain ou mettez sous pied yo marche pour protester contre révision judiciaire président sortant Manuel López Obrador proposé. Marie-Luce Pierre. Membre de la justice mexicaine et la société civile là, t'es prend la rue dimanche 25 août là pour protester contre une réforme judiciaire qui soulevait en pile parole en pile président sortant Andrés Manuel López Obrador t'es proposé. Manifestants ont été rassemblés dans le centre-ville Mexique avec drapeau yo nan meyo, pancatio et puis ils ont chanté qui était accusé président comme quoi il était gain intention effacer indépendance dans le système justice là. Officier judiciaire Carlos Rocha a exprimé sentiment vis-à-vis marche ça. Lo fundamental de esta marcha diría yo a diferencia. Noyo marcha pour moi ak sa ki fè li différent de l'autre monde et ses travailleurs pouvoir judiciaire en fédération qui t'est organisé. Moi assuré ou gen un sentiment nan mitan nou que gen yon bagay dangereux k'ap vini non seulement pour nous-mêmes mais pour système démocratique là en général. Réforme qui soulevait en pile parole en pile là côté juge yo qui gen parmi yo juge cou suprême yo ta doit élu par vote populaire, c'est une gros priorité pour López Obrador qui discutait que les et de combattre impunité à corruption. Pour juge Marie-Trini Juarez, c'est démocratie qui a risque. Ce qui est en jeu ici, là, c'est démocratie dans le pays. Ça. C'est peut-être ça, société civile là, ici, là. Pouvoir exécutif là, kounye là, nan men yon seul monde. Bien que gen ministre. Mais fondamentalement, président Andrés Manuel López Obrador a pris une décision yo et livré justice qui dépend de partis politiques yo pour contrôler yo. Opposant réforme nan di, élection populaire juge yo, ta mette fin nan carrière qui basée sous mérite yo et puis fait système judiciaire plus vulnérable ak influence kap soti de yo, tant kou parti politique ou soit même groupe crime organisé. Autorité électorale mexicaine, vendredi 23 août, a confirmé que parti qui sous pouvoir, parti Moreno, a calié lio pour gagner une super majorité de tiers dans la chambre basse, mais il pourra juste manquer une super majorité dans le Sénat. Le nouveau mandat législatif a commencé dans le mois de septembre. Même point de vue, nouveau président élu mexicain, Claudia Sheinbaum. Que yo voy a hacer aquí la pregunta de nuevo. Moi, je vais demander encore, j'ai moins été fait pendant la campagne, et puis nous t'ai bien gagné ici, là, avec dans tout le pays, là. Moi, t'ai qu'on demandé ça qui est plus bon. Justice dans la Cour suprême, dans élu par le Sénat République, là, ou soit par peuple, là. Dans Mexique, qui dit peuple Mexique, c'est démocratie. Démocratie pour élu président, démocratie pour législateur, avec pouvoir judiciaire tout, pour ce un pouvoir judiciaire dans le service peuple-là. Déclaration président élu mexicain, Claudia Sheinbaum. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre. L'autre point dans l'actualité, on a prêté toujours dans la région Amérique latine. Et bien, il y a dans Venezuela, il y a Edmundo González, qui était candidat parti et opposition. Et bien, il n'est pas allé dans la convocation que Paquet Eiffel, 28 juillet, qui était passé. Et bien,
qu'on y a les joignons l'autre convocation encore pour demain Madia. Et faut dire que Edmundo González toujours crié que c'est lui qui remportait la victoire sous président Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui te joigne une victoire à 52%. Voyons donc toujours une discussion dans la question. Et je dis sans surprise, tant qu'en pile spécialiste deal, et bien tribunal supérieur justice TSJ, et bien il baille Nicolas Maduro vainqueur pendant ce temps tout. Et au niveau communauté internationale, toujours gagné une réaction d'épaiement sous victoire Nicolas Maduro qui a pris l'autre mandat. Et puis, dans le pays de la France, garde à vue patron russe Telegram en parlant de Pavel Durov. En France, garde à vue prolongée pour jusqu'à mercredi, donc après-demain. Donc, n'a pas pour situation ça pour et patron russe Telegram en parlant de Pavel Durov. Et puis, dans l'année, ça a plus passé 132 monde qui mourit dans l'inondation dans le pays Soudan. Vous souvenez au Créole, actualité à dans le pays d'Haïti, dans un petit moment. Merci d'être ou branché dans le moment. Nous voulons tout profiter, dit Jean-Robert Philippe, qui était en vacances. Bon retour. Mais nous n'avons pas besoin de dire bon retour parce que moi-même, j'étais toujours à travail. Jean-Robert était en vacances. Donc nous dit Jean-Robert Philippe, bon retour ou souvenez au Créole. Merci d'être toujours branché sous VOA Creole. N'a pas mettre depuis Washington DC. En Haïti, police nationale là, avec mission internationale là, en BO se voit 20 machines blindées pour combattre gangame qui pas suspendre si mais l'intérêt dans le pays d'Haïti. Yves Manuel, gain détail depuis Port-au-Prince. Environ 20 machines blindées transport troupes livrées à la police nationale d'Haïtien pendant le week-end. Machine Sao qui équipée de tourelles, c'est une commande gouvernement Ariel Henry a été fait dans le pays Émirats Arabes Unis dans fin l'année 2023. États-Unis, les mêmes tours, l'hypothèse route Saint-Li, pendant le bail de nouveaux blindés Max Pro qui équipé tout de tourelles. Équipement Sao, il remet à commandant mission multinationale stabilisation sécurité, Godfrey Utunga, dans le cadre d'aide américaine, commandant sud, l'armée américaine prévoit tout livraison avant longtemps 24 machines MRAP dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Machines blindées SAO pral permettre renforcement capacité police nationale là à policiers kenyans qui présent dans le pays d'Haïti. Objectif là, c'est bay moyen qui nécessaire pour intensifier opération contre gang Améo qui continue à causer troubles dans plusieurs quartiers dans la capitale haïtienne. Pendant temps ça, police nationale là li pas chômé dans une opération tête collée, unité spécialisée PNH, tako unité tactique anti-gang, groupe intervention PNH, y arrivait éliminer plusieurs bandits pendant échange coup de zam dans la localité Jasmin et Échalote dans Gressier dans sud capitale là. Police là arrivait saisir tout deux armes à feu pendant intervention. Police nationale d'Haïti sous direction Normil Rameau, directeur général là, dit les déterminer pour continuer bataille contre gang criminel yo. Objectif là c'est reprendre toute zone bandits occupée pour établir l'ordre avec la paix sur tout territoire national. Pendant le week-end, Normil Rameau rencontrait partenaires internationaux dans Klessin pour discuter de renforcement capacité institution. Discussion yo techita sur collaboration entre police nationale, programme Haitian Citizenship Security Program et International Narcotic and Law Enforcement INL. GFORS a montré engagement communauté internationale là pour courir Haïti dans bataille contre insécurité et puis restaurer la paix en deux pays. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Eh bien, gain l'autre sous poche du gouvernement, police nationale là qui fait qu'on est que gain l'autre matériel encore qui gain pour vine et débarquer dans le pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, conseil présidentiel transition installé 8 sous 10 membres, comité pilotage conférence nationale là avec objectif 3 grandes missions pour retirer Haïti dans isolement socio-économique et politique lié. Un reportage Renat Toussaint depuis Port-au-Prince. Par arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur en date du 25 juillet 2024, il a été nommé les membres du comité de pilotage chargé de coordonner les travaux de la conférence nationale.
C'est par rapport à l'arrêté présidentiel ça que le président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils installé commencement week-end passé à membres différentes personnalités importantes qui constituaient comité pilotage conférence nationale en présence membres capitéo et diverses autres personnalités importantes. Comité pilotage ça composé à 10 citoyens mais c'est 8 qui étaient présents dans la cérémonie installation. Enex Jean-Charles, qui joue le rôle président, ancien premier ministre, Joram Vixama, Amari Joseph Noël, Antoine Louis, Nora Jean-François, Widlin Pierre, Gédéon Charles, et ancien ministre touriste, Christine Stephenson. Comité a gain 3 grands chantiers pour exécuter d'après président Capitéa, ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils. Sur la réforme constitutionnelle, le nouveau projet de société pour Haïti, les relations entre l'État et la société, ainsi que sur les principales réformes dans le système juridico-politique. Edgar Leblanc-Fils exhortait le comité pilotage là pour remettre un rapport sous révision constitution 3 mois après installation. 3 mois après votre installation, le comité de pilotage devra remettre un projet final de la constitution. Si les travaux du comité de pilotage prendront fin à partir de la date d'entrée en fonction du pouvoir législatif, ceux des assises de la conférence nationale se termineront 9 mois après votre installation. De plus, chaque mois, à partir de l'installation, vous êtes tenu de remettre au gouvernement et au Congrès et au Conseil présidentiel de transition un rapport détaillé d'avancement des travaux de la conférence. Cependant, Gagnon, dirigeant organisation Droits Monde en Haïti, Agit pour Haïti, qui dit qu'il y a doute par rapport à la démarche, ça, à cause de problèmes d'insécurité pour qu'on résoudre. Qui dit conférence nationale, cela signifie que il y a un déplacement qui vient pour faire les conférenciers pour y aller en province, pour y rencontrer moun, etc., etc., pour demander leur doléance, pour discuter avec les autorités, et etc., etc. Bah ouais, qui côté pour le passer pour faire? C'est un dossier que nous suivons de près. Wena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Eh ben n'a dit que grand point cap dominé actualité a gain d'abord et en pile activité au niveau de patio et côté que deux principales parties dans pays a que même cap organiser campagne électorale, c'est un coup de fou en pile analyse, c'est un coup qui très serré. Par exemple, candidat pour poste vice-président parti républicain, en parlant de J.D. Vance, eh ben il déclarait que dimanche 25 août là que il n'a pas imposé aucune interdiction fédérale sur avortement aux États-Unis si lui-même avec Donald Trump y a passé. Donc tu connais que c'est un bagaille qui caractérise parti républicain qui c'est question et interdiction avortement, alors que parti démocrate là lui-même c'est ça aurait en anglais pro choice, yo même yo dit que moun n'a droit choisir selon situation pour choisir faire avortement ou bien pas. Donc c'est un pile activité qu'a fait entre deux parties yo. Et semaine qui s'est passée là dans Chicago dans état Illinois, c'était convention parti et démocrate là qui finit et qu'on y a gros événement qui pral gagner yo. Moun ka attend yo c'est que en dehors de toute sortie qui pral fait et en termes de campagne électorale, eh bien pral gagner ça ou les débats entre et candidat. Donc il y a une question que n'a pas pour, et puis dans guerre la Russie, eh ben n'a dit que au moins 4 moun qui mouri, une dizaine l'autre blessé après la Russie lapider Ukraine en bas missile avec drone qui sorti dimanche pour l'ouvrir jeudi lundi. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, et nous saluons Valério qui était là avec Mounio pendant ce moment. Moi, il bat là, bagat rencontre avec. Donc on dit Valério, bon travail comme d'habitude, et nous saluons tous les amis qui ont même été choisi brancher sous VOA Creole qu'on y a là. The Great Stalin, merci en pile, et puis gentil Augustin Junior, c'est lui qui est là, et Nathan Abela demain. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lambert. À demain.
bien que, selon sa cap dit, que ancien chef de l'État, monsieur, a des problèmes sérieusement, Désir Venesse. Et n'a dit que c'est, nous capable dit, OFAC, qui lui-même c'est une entité dans le pays États-Unis, n'a pas songé quitter prendre sanction contre ancien chef de l'État le mardi 20 août 2024 là, et au reproché Matéli pour question et corruption et trafic de drogue. Et selon en pile média en Haïti ou à l'étranger, mais c'est ça au reproché avec ancien chef de l'État qui c'est Michel Joseph Martelly que nous pral gade et nous pral avancer avec des détails sur ça. L'autre information des Irvenes concernant est ancien président Michel Joseph Martelly. Donc on est bien, t'es qu'un pile balle qui suite mi qui t'est affiché pendant week-end qu'a vini là dans pays États-Unis en pile balle qui suite mi qui t'a pral jouer et t'a qu'un pile balle gagné tout les bordés dans New York que semblait Martelly t'a pral jouer. Mais d'apprendre que et mais suite mi qui pour une énième fois, eh bien, ensemble de promoteurs, ensemble de producteurs, qui eux-mêmes te prennent, qui dégagent des affiches avec ancien président, avec suite Mickey, pas Matéli, non? Tu as suite Mickey, que Matéli lui-même, que lycée, on a responsable, non? Eh bien, ensemble de promoteurs, ça y est, ensemble de, et moun cap produit, cap réalise ensemble de bal, ça y est, et semble des Ibanez, eh bien, yo t'a annulé ensemble de performances, ensemble de balles que Matéli t'a qui pour te jouer pendant week-end cap vini là. Eh bien, suite Mickey, eh bien, nous connaît bien. Dans dimanche cap qui pour vini cap 1er septembre 2024 là. Dans occasion week-end Labor Day dans États-Unis, côté que monsieur t'a qui pour la jouer dans New Jersey, semble que yo annulé pour que suite Mickey pas jouer dans les bordés et l'autre affiche que t'a gagné. Et qu'il y a plus l'autre côté encore, en plus l'autre rendez-vous que Matéli t'a gagné, semble que tout ça a assemblé yo annulé pour éviter un ensemble de situations à cause question mais sanctions que le département Trésor États-Unis pour contre ancien chef de l'État Désir Venesse. Désir dans question de la police nationale d'Haïti. Laissez-moi dire avec Zami Eternout. On va venir avec un article que Washington Post lui-même que lui mettait dehors. Et nous te mettait dehors tout de suite après, ça n'était pas comme sanction. Eh bien, Désir, après opération que agent UTAG, agent SWAT team, qui a été mené dans le Gressier pendant week-end ça, gagné DG la police, non, qui c'est M. Rameau Normil. Rameau Normil dit que lui pas baissé bras. Les pas bayfag et mobilisé avec toute équipe li nan ou comme la police nan avec gouvernement que li la donne avec Kony comme premier ministre nan avec conseil présidentiel yo DG Rameau Normil monsieur dit que pas gen baisser bras pas gen faire back mais nan action bandi yo et DG Rameau Normil monsieur dit que yo déterminé pour yo contrer carré action gang criminel yo. Objectif yo, c'est récupérer toute zone que bandi yo occupé. Et bien pour que la paix capable rétablir en dedans pays pour me répéter et pour me citer DG la police Rameau Normil Désir Venesse. Et n'a dit gagner chef et mission en Haïti qui c'est Godfrey Otunge. Monsieur dit clairement que jou bandi yo compté. Selon chef mission Kenya en pays d'Haïtien, monsieur Godfrey Otunge, monsieur dit c'est jou gang yo cap compté, yo doué suspend tout mante peuple haïtien. Il fait déclaration ça vendredi 23 d'août non, dans moment que t'a recevoir yo équipe matériel Max Pro avec tout RL côté que pour amener des opérations pour river démanteler bandi gang en pays des Ibanez. La situation de situation pour le pays d'Haïti, dans ce qui concerne les questions de sécurité, divers secteurs et acteurs
qui implique, qui gagne responsabilité dans ça, yo continue à prendre position par yo, qui ka permettre que la police ou bien exiger la police comme une acte clé, et même gens avec Silao qui renforce la médaille ici, pour prendre disposition nécessaire dans quatre coins géographiques pays, tant que Jean Premier ministre, docteur Gary Koni, pour mettre lui, pour arranger, pour permettre que force la médaille ici, gagne ensemble matériel adéquat, et qui permettre que la MIA lui réellement utile le pays d'Haïti, dans cadre de mission que vous gagnez, qui c'est protéger territoire et permettre tout yo rentrer comme des professionnels l'armée qui fait premier ministre promettre qu'elle va le faire et centre national d'équipement qu'elle connaît en pile et corruption faite dans l'institution ça nous les parler des CNE eh bien il va permettre qu'elle fait un seul avec et l'armée d'Haïti et après si pour gagner pour suite ensemble monde qui a travaillé dans CNE pour gagner pour Antonio soit rete comme des employés civils si gagnent dans qui pour dépasser l'âge pour rentrer dans l'armée comme des soldats eh bien il va rentrer dans l'armée comme soldat en plus monde fait quoi que ça va permettre un gros marché gonflé entre conseil présidentiel transition avec premier ministre et Gary Koni, tout ça, et en pile monde a pensé d'autres regarder et redétendre qui décision qui peut arriver prendre. Tant que j'en regarde sous Michel Joseph Martelly, depuis après sanction, qui pratiquement kembe un bon parti dans l'actualité. Michel Joseph Martelly réellement tourmenté les personnes. La caille commence à bailler Michel Joseph Martelly et ti machoué Marie. Parce que là où il veut comprendre, madame ak petite pratique pendant déplacement yo. Qui ont été fait ensemble, qui génère des coûts en économie, l'argent, surtout sous compte en banque qui ont gagné, ils n'ont pas eu accès avec ensemble compte en banque si là, et bien les personnes, ils ont commencé à causer gros problèmes dans la famille. Et c'est la raison qui a fait Michel Joseph Martelly décider de déplacer sans personne, pas qu'on ait qui côté le fait, pour d'ailleurs, il va déplacer avec famille, les personnes et les amis internautes. Kounia, en pile aspect à questionner ce point ça, qui ça fait après sanction département trésor les États-Unis prend contre Michel Joseph Martelly il y a possibilité pour le faire déplacement à destination anonyme sans personne pas connaît pour certains Michel Joseph Martelly t'a dû on est qui sous contrôle quel que soit côté le mettez pied autorité américaine t'a dû connaît même si là qui en Haïti si peut-être t'a goumé pour être un pays qui normal la justice haïtienne te doit saisir dossier et les États-Unis pas de prendre trop de temps pour te informer la justice haïtienne qui ça dossier est réellement qui permet que prendre sanction contre Michel Joseph Martelly et même des gros accusations qu'il y a avec question drogue parce que sur les drogues cocaïne c'est pas petit bagage petit qu'il y a en dedans pays ça et bien les on est ou gain accusation ça sous dos et c'est mettre tout parce que tout le monde connaît Michel Joseph Martelly li réside et le passeport américain, nous t'a dit, c'est un citizen, c'est un privilégié des Américains, qui te vient occuper pour sa pouvoir 2011-2016 dans le pays d'Haïti. À part de ça, des situations, tout le monde constate, pays a totalement crasé sur le fond de programme banditisme légal. Jean-Hector Anakassis t'a déjà annoncé, il dit que des nègres qui veulent comprendre qu'il y a des protections, il y a des avocats pour l'argent, dans l'idée pour qu'il protéger pour pas prendre sanction contre eux. Jean-Hector Anakassis va parler de l'autre monde de personne. Il t'a parlé de Michel Joseph Martelly. Eh bien voilà, vérité à blaï, département trésor prend, le Canada prend, Kounia, qui est en pile en noir prétendre qui vous prend sanction contre Michel Joseph Martelly, c'est le gouvernement haïtien. La justice haïtienne. Puis grosse sanction, c'est Haïti qui a pris contre Michel Joseph Martelly. Parce que ensemble, accusation qu'elle gagne, qui bon, lui fait infraction, c'est en Haïti. C'est vrai, lui violer des lois. OK, qui garder avec ça qui pour avec et convention qui garder ensemble, OK? C'est des infractions transnationales et internationales. Je permets que les États-Unis, communauté internationale prennent des décisions. Mais qu'on y a nous même en Haïti, ils reviennent des droits comme pays souverain pour prendre décision par nous, pour exiger autorité américaine. Si c'est menti yo fait sous Michel Joseph Martelly, laisse ça y avoir dédommager ancien président parce que c'est l'image de tout haïtien en général. Que les États-Unis arrangent, attaquer là. Si c'est à moitié, il fait sous Michel Joseph Martelly. Parce que c'était ancien président de la République. Bon, même Jean c'est l'abgardé de la culture tout. Ministère de la culture t'a de poser question tout. Comment faire dans ce secteur qu'il a dirigé, hein? Il y a un santé et vedette, il y a un superstar qui pratiquement gagne non capacité dans ce qu'il y a avec question de drogue. Et Kounia, il a déclaré le personnage non-crata dans plusieurs states États-Unis d'Amérique.
soirée qui était programmée avec Sweet Mickey, que Michel Joseph Martinez est chanteur et principal chanteur vedette. Donc, il n'y a pas qu'à pointer sur stage pour l'honorer ensemble contre ça. Ça veut dire staff management et Sweet Mickey prennent un gros problème. Ils prennent une crise économique, en pile net prennent un chômage. On est avec Jojo Loke, on est avec Nelson, tout le texte, le groupe Bandi de Galio, tout le texte qui est en gros coup dans la République de Blessed. Si vous avez fait un petit coup de tête dans le cap haïtien, songez, vous avez une information dans le cap haïtien par rapport à la visite et Premier ministre Dr. Gargoni, en pile monde gade son visite qui a un paquet de coïncidences là-dedans, parce que le premier monde qui était allé, c'était Denis Hamkins et ambassadeur pays les États-Unis, qui était bon visite dans le cap haïtien. Par la suite, nous pourrons constater le suivi du Premier ministre Dr. Gargoni avec corps diplomatique là, qui s'est réglé. Est-ce que l'ambassadeur américain t'a fait place pour te recevoir Gargoni? Parce que je dis, en pile monde dit, qui ont fait de route que Gary Coney gagne, c'est ambassade américaine, ambassade Canada, ambassade de France qui balil. Est-ce que c'est lui-même qui a exécuté, surtout, dans la visite qu'il fait dans le Grenoble? Premier ministre Gary Coney écrit ça sous compte X-Li. Moins ouais, moins écouter, moins apprendre, moins recevoir doléances, avec message, l'espoir, paysan, investisseur, à qui ont parti dans jeunesse, dans Desla. Gouvernement prend le travail pour renforcer production Marie Baou, et puis arranger pour être capable de démarrer avec construction lycée technique agricole René Théodore dans Wanamet pour aider à améliorer revenu agricole. C'est ça. Et Premier ministre Dr. Gargoni déclaré, il continue pour le dire, moins content de parler avec Roselyne Joseph, maman bébé, et Siamoyo, qui arrive à l'hôpital Mibale. Moi remercier autorité Nord-Est yo, autorité santé publique yo, ambulancier yo qui rive conduit famille l'hôpital Mibale. Moi parler à direction l'hôpital là pour encourager yo faire tout ça qui possible ak support gouvernement pour garantir santé bébé sa yo. C'est un scandale. Non, Nord-Est pays a côté te gen une jeune demoiselle qui rele Rosine Joseph qui accouché yon bébé si à moi. Len parler de bébé si à moi, c'est deux bébés qui fait tout coller. Yo coller une pas séparé de l'autre. En plus, le monde, t'es estimé, c'est ton mystère. Eh bien, il fait dans le pays d'Haïti. Eh bien, le premier ministre rencontré avec maman. Yo obligé accompagner yo pour aller à l'hôpital Mibale. Ou est-ce yo cap fait opération pour cap détacher de bébé sa yo, Blaise Vitesson. Premier ministre, Dr. Gargoni continue dans ce spal pour dire que la prend responsabilité. Mais n'a pas rappelé, dans visite, Dr. Gargoni, sous canal là, il pas traché un mot avec journaliste Blaise Vitesson qui suscitait un pile débat. Gagné ancien député Jerry Tadje, c'est ancien député et Pétionville, après Blaise Vitesson. Quoi c'est Pétionville? Exactement. Qui dit? Exactement. Moi? Oui, ancien député Jerry Tadje qui sorti dans 50e là, si je ne me trompe pas. Ancien député Pétionville, et nous connaissons monsieur, c'était président, commission, et sous question changement constitutionnel. PIA, Chita parlé. OK, important parce qu'elle doit aboutir à un nouveau projet société pour Haïti à qu'on passe main dans la constitution. C'est des responsabilités que monsieur dame ça a gagné dans comité pilotage que vous mettez campé là qui pourra discuter sur l'autre Haïti et planifier discuter avec ensemble peuple haïtien de pour parler des questions et dialogue national, conférence nationale ou de ouais Tinep DLP qui t'a prôné question ça. En plus, les gens pas d'accord, mais je veux dire, vous devez comprendre, il faut qu'il y ait un dialogue national qui permette que nous sortions dans la situation que nous trouvons. Si vous regardez la question insécurité en dedans pays, en toujours les personnes, mon cabaret, par contre, à qui c'est, vous devez adresser, eh bien, bandit exam, qui prend comme une cabaret en otage, depuis plus de 5 mois, eh bien, vous arrivez kidnapper pour pipiti 5 mounes dans une zone-là. Et ça permet, violence, à la pérèse, continuer à blâiller dans le cabaret. Population qui m'a dit, avec autorité qui dans la police, qui dans la justice, qui dans le gouvernement, pour au moins songer existentiel des vitesses. Autorité communale qui trouve dans grand dans ce pays, si nous regardons la question de Kazek, et bien, Kazek dans 47 sections communales qui étaient en train de pour te chita discuter avec magistrats, avec délégués départementaux, sous opération qui a mené,
qui est le nettoyé gredans pour chercher tout côté Zéphéis, Zagoloraï, sans foi ni loi, Antonio, pour faire sans poulet. Dans le processus, pour monter question, conseil électoral provisoire, ma souhait gonflé continuer dans mi-temps organisation qui a défendu à Mounio, pour jusqu'à présent, les personnes, il n'y a pas qu'à une formule, pour désigner qui est-ce qui peut représenter dans ce qui est pour avec monter conseil électoral provisoire, qui toujours, il y a un processus très douté, parce que le monde qui est dans le pays, et diaspora, il y a posé cette question, est-ce que l'élection, qu'a arrivé possible si insécurité a pas résolu? Est-ce que l'élection qu'a arrivé possible si niveau précarité, chômage, si dans le pays a pas qu'un qui fait comme amélioration pendant qu'on est gouvernement qui l'a a parlé des déficits budgétaires, il y a besoin au moins remembrer et économie pays a pour parler d'élection. À part de ça, les personnes, c'est des arrivistes, c'est des monde qu'on pas même espéré. C'est des coqs qui pourraient arriver, continuer à venir pour pouvoir, pour conduire une pibale qui côté nous est venu aujourd'hui en blessure. Effectivement, Desi Benes, nous chargez coula pour l'œil. Et nous prenons le vini là, mon cher Gébara, nous chargez coula pour l'œil. Et vraiment, des amis étaient nous au cap suivre l'émission ça dans le Calfou Vérité matin. J'aime toujours des amis au ça. En nous like émission nous. C'est la meilleure façon capable d'encourager de travailler moi avec Desi Benes. Like, partagez-le. Quitte un commentaire et soit peine tombé sous média ça, yo. Qui s'est mis sac nouvelle, Blaise Info, Point et Nouvelle, Valcalbas Info, Racine Nouvelle Haïti, abonnez avec Média Sayo pour capable grandir la communauté. Nou. Et bah bon, menti ou là, c'est bon, j'ai information. J'en dédie un désir, j'ai plusieurs dossiers qui nous parlent sur yo. Encore dossier qui est pour avec dossier sanction contre ancien chef de l'État, Michel Joseph Manté. C'est vrai, ça qui est en actualité, et nous mettons focus sur lui, mais c'est même gens. Avec tout le nez qui nous connaît, soit département d'État américain qui était sanctionné, donc ancien PM Jean-Max Bellerive, ancien sénateur Nenel Kassi, et pays Canada était sanctionné, mais tout ensemble de monde qui était passé dans le pays ça, comme autorité, soit, bah, qu'on est si c'était ZAM qu'il était, bah, qu'on saleté utilisé. Mais pendant que le chef, que l'ITG responsabilité contribuer dans le développement pays ça, au lieu que le fait ça, c'est enterré que le enterré pays ça. Dans la question, pour te samander dans le ghetto, on est capable d'alimenter sous insécurité, dans créer instabilité, impliquer dans la question de trafic ZAM, dans faire ZAM entrer dans le pays, dans le conteneur, dans le ghetto. Yo. Et trafic de drogue, blanchiment l'argent, vendre ressources pays ça, ben abdi des Yvenes, quel que soit mon courrier, dans quel que soit secteur courrier, je dis là, faut que y ait des décisions qui prend compte mon sa yo. Et faut que société haïtienne, par elle, pour commencer, voyez mon sa yo dans poubelle l'histoire, voyez mon sa yo jeté, pour dire que nous pas besoin moun sa yo. Je dis am toujours dit moi-même pendant 30 dernières années sa yo pays qu'on est deux gros régimes. Moi-même à ma connaissance oui. Bon me dit pendant 20 dernières années ça m'a dit comme ça. De 80 de retour à Aristide en 94 mais 95 c'est 94 arrivé journée jeudi en là. Ouais, mais moi mettez dans le temps de 94 de retour à Aristide après exil à Jeune Jodian, pays d'Haïti connaît deux gros régimes qui c'est Lavalas avec Aristide, Lavalas avec René Garcia Préval. Parce que les Aristide retournent en 94. Li pral fin fait reste mandat en 95. Et de fait 95, commencé année 1996, li t'ap pral organiser élection, René Garcia Préval t'ap pral vini comme président. Pas oublié. Mkwe Préval, li c'était premier ministre Aristide en 90 ou 91, si m'a pas trompé. Ça veut dire, Préval vin retourner, vin président. Dans l'élection 95-96, Préval prêté serment. En février 96, Libéral fait de 96 à 2000, à année 2000, et 2000 que Préval fait élection.
Et 2001, Aristide pral vin président. Malheureusement pour Aristide, et gens qui reprochaient de mauvaise gestion, bien que tout, et nous connaissons tout ça, crive Aristide a été mais international derrière, t'es que mes politiques derrière, t'es que de bras économiques derrière tout en Haïti. Aristide après pré-exil le 29 février 2024. De 2004. Nous allons pouvoir transition avec Boniface Alexandre, qui était président de cour de cassation à l'époque, non? Et qui t'a pris automatiquement même président paysan, mais t'a pris le bal au premier ministre qui était voyé par nous. Qui c'était Gérard La Tortue, que tout le monde connaît, était l'île Gérard La Tortue. Et Gérard, pardon. Et qui était, c'est lui qui était président. Boniface la comme pour pétrole, mais c'était Gérard La Tortue qui était président. Parce que c'était, il était en mission. Et c'était où envoyé. Besoin de monsieur Volet, on étalage fortune. Mais et sous monsieur que vous voulez et Moni Manek Maron. Lyon te devant par la justice Moni Manek Maron. Chen Mas. Vous comprenez? Et c'est ça en pile et politicien, en pile historien rapporté et dit bon, moi-même jusqu'à